Un pan de l'histoire s'est écrit aujourd'hui, mais également hier, sous nos yeux. Il y a le discours de Charles de Gaulle en 1944. Paris martyrisé, mais Paris libéré. Il y a le fameux discours de Martin Luther King et son I have a dream en 63. I have a dream. Et il faut désormais compter avec le discours de Roselyne Bachelot d'hier. Ce sont vos gosses, nos enfants, pour qui peut-être vous ne serez plus des héros. Merci, on est à l'antenne, merci. Ce discours émotion a-t-il fonctionné sur les journalistes sur place? Nous avons le contre-champ. Vivons l'histoire, sortez les mouchoirs, c'est parti. C'est l'image de la France que vous avez ternie. J'ai vu les yeux de chacun d'entre eux. Et je leur ai répété, en regardant chacun dans les yeux, comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Un match en Coupe du Monde, vous en avez rêvé, quand vous étiez enfant, quand vous étiez gamin. Et j'ai dit, le secret de demain, il n'est pas dans vos jambes. Il est dans votre cœur. Il est dans votre âme. Et je leur ai dit, donnez tout. Donnez tout. Battez-vous, battez-vous. Et vraiment, j'ai vu avec leur capitaine, avec Patrice Evra, avec tous, j'ai vu qu'ils avaient l'intention de tout donner. Ils m'ont applaudi et ils ont pleuré. Eh ben ça les a bien aidés.